posais la question à Dr Julien au départ, c'est quoi la pédiatrie sociale, ça me semblait à la fois du bon sens, puisque c'était mettre ensemble, travailler ensemble, mettre ensemble les différents acteurs locaux pour le bien-être des enfants, mais il me disait aussi la pédiatrie sociale, on la construit ensemble, c'est comme il faut, on va se l'approprier, on va l'adapter aussi à la réalité du milieu. J'ai appris énormément parce que c'est quelqu'un aussi qui est disponible dans les échanges, on a beaucoup discuté, moi je me suis beaucoup construit aussi. Son rôle dans la communauté est différent. Ici, ça a été développé déjà en partant en équipe. Ici, on voit Dr Julien comme le président directeur général du centre ici, mais c'est une équipe de Dr Julien. C'est Dr Julien et son équipe, ça c'est très fort. Dr Julien, c'est un novateur, c'est quelqu'un qui prend des risques, c'est un visionnaire. Dr Julien, comme on le voit comme homme public, dans la vraie vie, il est comme ça aussi. C'est vraiment quelqu'un de très humain, à l'écoute d'une sensibilité exceptionnelle. Il sait les mots qu'il doit utiliser, c'est un homme d'expérience aussi, mais extrêmement sensible, et il sait jusqu'où il peut aller aussi. Quand ça devient trop difficile, il va sentir. Donc c'est quelqu'un de très aussi très 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 émotif. C'est quelqu'un de particulièrement convaincu de ce qu'il fait. Et pour moi, c'est extrêmement plaisant et gratifiant de travailler avec quelqu'un comme ça. C'est quelqu'un d'extrêmement inspirant, je pense, pour ses équipes de travail. Docteur Julien, c'est un homme à... Il y a 10 000 projets à la fois. Je vois encore mon intervenante arriver dans le bureau en me disant Marie-Agnès, et puis vraiment, là, je la voyais très mal, elle dit Marie-Agnès, parce que docteur Julien m'a parlé d'un truc là. Puis avant même, elle dit je veux bien là, mais c'est parce que je voudrais bien, mais tu comprends, j'ai ça à faire. Puis là, je lui dis regarde, Stéphanie, quand il va t'en avoir parlé trois fois, tu vas revenir. Puis là, on va s'asseoir. J'ai dit, d'ici là, dors tranquille. La semaine prochaine, il y en aura d'autres.